La première église a été construite en avant de celle qui existe aujourd'hui. Mais c'était une église en pièces, comme on dit, des logs. Et ça, c'était bâti en 1857. Et là, les premiers morts de La Fontaine, ils étaient enterrés en arrière de l'église. Ben, le premier curé permanent, c'était le Père Michel, qui est venu ici. Et puis c'est lui qui a fait construire l'église actuelle. Parce que les colons ici, ils n'étaient pas riches, mais ils avaient besoin d'une église. Puis quand on a rebâti l'église dans le temps du Père Lamel, il fallait qu'on remplace tous les piliers en dessous de l'église. Puis c'est là qu'on a découvert, en creusant, on a découvert des morts. Les tombes qui n'étaient pas creuses dans la terre ont été remises dans le cimetière. Puis on ne savait pas qui c'est que c'était. Tous les pionniers de la paroisse sont là, mais on ne sait pas qui. Les verrières qui existaient dans l'église étaient une couleur jaunâtre. Puis c'était bien simple, mais c'était assez beau. Puis ça avait été mis en 1924. Mais elle était très... Elle battait au vent quand il faisait du vent. Alors, il fallait la remplacer. Puisque Caragua existait dans la paroisse, on a décidé de mettre en scène Caragua. On pourrait faire la verrière du milieu avec le père Le Caron qui célèbre la messe. Le panneau à gauche, on a montré les autochtones qui étaient ici. C'est des Wendat. Et Caragua était un des villages principaux des Wendat. Puis à droite, la verrière à droite, on a montré Champlain. Il y avait 14 soldats avec Champlain. 14 soldats, et puis le père Le Caron, puis le père Guillard. Le père Le Caron, avec Champlain, ils ont fait annoncer dans les villages qu'il y avait une réunion à Caragua le 12 août 1615. Parce que là, le village de Caragua était déjà existant, avec les palissades, puis une grosse croix. Champlain et les soldats ont construit un hôtel à plein air, et puis c'est là que Père Le Caron a dit la messe. Alors, c'est ça qu'on a pris pour le centre. Première messe à notre région. Première messe à l'ouest de Québec, à 1615. Puis c'était les Récollets qui étaient ici. Et il y avait plusieurs Indiens qui ont venu, puis ont assisté à la messe. Puis à droite, la verrière à droite, on a montré Champlain, il y avait 14 soldats avec Champlain. C'est là que Champlain et ses soldats ont bâti une cabane en bois pour passer l'hiver. Et en même temps, si vous voyez, il y a le drapeau de France en haut de la cabane, puis c'est là que Champlain a pris possession du Canada pour la Nouvelle-France. Ils ont débarqué. Il y a un site sur la baie de Pelletagne qui est un site, mais il y a aussi, dans les récits des Jésuites, ils ont débarqué aussi à la baie du Sonnerre. Puis là, ils étaient plus loin, pas loin du village Caragua. Love.